On dit là, ni 340 personnes qui sont mortes du COVID en Guadeloupe et ni 147 en Martinique. Ça veut dire qu'il y a plus de 200 Guadeloupéens qui sont morts du COVID. Et 200 là, ça, c'est entre août, septembre, octobre et novembre 2020. Et c'est pour ça que nous déposons plainte. Nous disons, yo dit nous la vérité. Comment se fait-il que yo abandonné Guadeloupéens et que jodi là, yo pas venir dire nous comme ça, c'est seule la vaccination qui sauve nous. Nous pas dit yo nous pas contre vaccination. Mais ça nous envie que vous expliquez nous et que vous dites nous. Comment se fait-il que vous abandonnez les protocoles sanitaires que vous mettez en place depuis avril 2020 pour te soigner Guadeloupéens, notamment au CHU? Comment se fait-il que vous abandonnez les protocoles sanitaires qui t'ont priorisé l'accompagnement des gens qui ont une drépanocytose, les femmes enceintes, les gens qui ont une obésité, les gens qui ont une diabète, les gens qui ont une maladie cardiovasculaire, les gens qui ni déficience immunitaire. Pourquoi yo abandonné encadrement à ces monde ça et après que yo mettez tout le monde mélangé ensemble au CHU. Nous te qui envie que yo dit nous. Pourquoi yo arrêté soigner monde et que seul bitin yo te ka dit monde rentrez chez vous, prenez un Doliprane et si vous avez des difficultés respiratoires, faites le 15. Pourquoi yo pas soigner monde? Yo pas ba monde les traitements qui existent existé que yo déjà expérimenté différents côtés. Pourquoi yo pas soigner monde? Pourquoi yo pas ka financer de la recherche FR professeur Henri Joseph pour yo pé continuer travail là qu'il commencé faire là? Pourquoi yo pas ka faire tous ces bitin là ça? Pourquoi yo pas ka mettre en politique de prévention pour pé aider mon au niveau nutritionnel, au niveau comportemental, au niveau hygiène de vie pour yo pé affronter virus là ça? Et jodi là parce que Guadeloupéen ka poser toutes ces questions là ça, yo ka dire que non ou ka faire pratique magique ou religieuse et que son couillon et nous ka vrai monde ka sorti tout partout bizin vinn ban nous leçon. Oh là, yo te ye pour yo te pe défendre Guadeloupéen. Donc c'est pour ça jodi là, nous ka di yo, di la vérité aux Guadeloupéens. Oui, virus la ka circulé. Mais oui, ni des mesures alternatives, ni des traitements alternatifs qu'on peut mettre en place. Oui, il faut continuer à faire la recherche. Oui, il faut soigner les Guadeloupéens. C'est pour ça qu'on a lancé un appel aux médecins. Soignez les Guadeloupéens. Mettez en place les protocoles qu'il faut pour soigner Guadeloupéen. Guadeloupéen, prends précaution, fais sport, prends vitamine C, prends vitamine D, prends zinc, prends Zébapé, quand nous soignons nous et en nous porter monnaie pour nous rendre nos corps en nous gaillard. Et en même temps, toutes ces mouns là qui bisent ben nous les bons conseils et patiti et patata. Mais oh yo te ye, les Guadeloupéens te ka crier misère et que nous te en difficulté. Donc ces jours là, c'est pour ça nous ka dit. Quel que soit ça, l'État français peut dire et peut faire. Nous avons appelé la Guadeloupéen, les Guadeloupéens à la résistance. Meeting, vendredi au soir, Maonalo. Samedi matin, nous avons marché en la rue Capesté. L'autre semaine, nous avons marché en la rue Bouillante. L'autre semaine, nous avons marché en la rue Moule. Et nous avons continué à manifester pour défendre et le droit à la liberté. Pour défendre le droit à l'accès aux soins. À qui Jean peut comprendre que aucun péché, un patient qui vient soigner, de rentrer à un hôpital public parce qu'il n'y a pas ni on passe sanitaire. En qui genre on peut comprendre qu'il y a aucun péché en famille, vin vrai, en malade au CHU, parce qu'il n'y a pas ni on passe sanitaire. Alors que yo même médecin a dit qu'il n'y a pas ni meilleur bitin le monde malade que famille a vini pour remonter moral. Et ça aussi important que médicament là. En qui genre on peut obliger un monde vacciné, s'il n'est pas vacciné, ou qu'à supprimer salaire, ou qu'à la gueule en la rue là, dans la mendicité, dans la pauvreté liée famille. En qui genre on peut prendre des mesures aussi discriminatoires, aussi, qu'à mettre en cause les libertés fondamentales. Donc c'est pour ça, nous très à l'aise. Nous qu'à dire oui à la liberté. Les restrictions, c'est des exceptions. Jodi là la liberté qui a vu une exception. Ça inadmissible dans la société là. Ça nous avons basculé dans une société dictatoriale. Donc c'est pour ça que nous, Guadeloupéens, si nous avons un comportement là, ça, jodi là, c'est parce que nous sommes petits à souffrance, petits à l'esclavage, petits à la colonisation, petits à la déportation, petits à discrimination, petits à mépris. Et nous connaître toute souffrance que nous avons enduré sur la terre. Et c'est pour ça que là, yo ka attaquer liberté sur toutes les formes. Là, yo ka attaquer moun sur toutes les formes. Nous ka senti nous directement concernés parce que ça a dans ADN en nous. Souffrance là, ça y a dans ADN en nous et il forge nous. Et c'est pour ça que nous toujours que défendre le droit à la vie, le droit à la liberté, le droit à l'accès aux soins, le droit au service public, le droit de vivre et d'être soigné et de vivre bien. Et donc, c'est pour ça que nous avons appelé Guadeloupéens à la résistance et à rébeller contre ce système-là qui veut faire de nous des moins que rien, des serpillères.